Manuel Valls est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. 14 régions au lieu de 22, c'est le projet du gouvernement, Manuel Valls. Question directe pour commencer, est-ce que c'est une réforme figée ? Non, elle va forcément évoluer. Enfin, à partir du moment où elle va être débattue au mois de juillet, d'abord au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale. D'abord au Sénat, ensuite à l'Assemblée nationale. C'est toujours au Sénat. La Constitution nous y oblige, puisqu'il s'agit de l'organisation de nos territoires. Ça passe d'abord au Sénat, ensuite à l'Assemblée nationale. Donc il va y avoir débat. Je suis attaché, comme le président de la République, au rôle du Parlement. Donc c'est-à-dire il peut y avoir des évolutions. Les contours ne sont pas figés ces 14 régions. Mais nous verrons bien, mais il peut y avoir des évolutions. Oui. L'essentiel est de réduire le nombre de régions en regroupant les régions existantes pour rendre nos régions plus fortes, plus compétitives. Elles vont avoir beaucoup plus de compétences, notamment en matière d'économie et d'emploi. Mais il faut des régions plus fortes pour rendre notre pays plus fort et plus compétitif, et puis aussi il faut des services publics plus efficaces, c'est ce que nos concitoyens, nos compatriotes attendent. Alors ça gronde parfois, je pense évidemment à cette grande région Poitou, Charente, Centre, Limousin, là ça gronde, j'ai entendu Dominique Bussereau ce matin sur RMC, enfin je l'ai interviewé, ça gronde de tous les côtés sur cette grande région, elle va s'appeler comment d'ailleurs ? On verra, parce qu'il y a effectivement la nomination, la dénomination des régions, les capitales, le débat s'ouvre, c'est difficile. C'est difficile, Jean-Jacques Bourdin, de réformer le pays. On parle de la réduction du nombre de régions depuis des années. Il y a eu un travail qui avait été effectué par Édouard Balladur, Jean-Pierre Raffarin et Yves Cratinger, qui est un sénateur socialiste, avaient fait aussi des propositions dans le cadre du Sénat. Mais ça ne se fait jamais. À partir du moment où, courageusement, on met sur la table, c'est ce que le président de la République a fait ce matin dans toute la presse quotidienne régionale, on met sur la table cette réforme, ça gronde, je me dis alors que ça va plutôt dans le bon sens. Oui, parce ça que gronde. Il y a besoin de changer, de réformer, il était temps de le faire. Vous écouterez donc ceux qui grondent, si j'ai bien compris, parfois, Manuel Valls, dans la discussion. En gardant toujours l'essentiel. Par exemple, les Pays de la Loire, qui voulaient être rattachés à la Bretagne, et puis des départements de la région Poitou-Charentes, qui voulaient être rattachés à l'Aquitaine, et puis Ségolène Royal, qui, elle, était partagée, on ne savait plus trop ce qu'elle voulait. Alors, compliqué, ça, tout ça, non ? C'est compliqué, raison de plus. Elle trouble le jeu, Ségolène, d'ailleurs, dans tout ça ? C'est pas le sujet. Oui, c'est pas le sujet, Raison de plus pour être attaché à l'intérêt général, avoir de grandes régions efficaces. Permettez-moi de vous dire quand même quelque chose. Allez-y. Cette réforme, elle doit se faire en préservant l'intérêt général, avec des principes simples, je les ai rappelés, des régions plus fortes sur le plan économique, avec des moyens supplémentaires, mais avec toujours une idée à laquelle nous sommes tous, je crois, profondément attachés. C'est l'unité du pays. C'est l'unité de la nation. C'est la force de la République. Nous ne sommes pas en train de revenir aux provinces d'antan du royaume. Il s'agit de construire, dans le cadre unitaire de la République, et pas contradictoire avec la décentralisation, et je le dis d'autant plus que c'est la gauche qui a essentiellement permis la décentralisation dans ce pays. Mais il faut que cela se fasse en ayant toujours en tête l'unité, la cohésion de la nation, de la République, et le rôle de l'État. Et dans cette réforme, avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui la portera, nous sommes aussi très attachés au rôle de l'État dans chaque département pour gagner en efficacité, en protection, parce que beaucoup de nos concitoyens, au cours de ces dernières années, nous ont demandé dans les territoires urbains, périurbains, dans les territoires ruraux, davantage de présence des services publics, avant l'été, de l'État et de protection. Vote avant l'été, on est bien d'accord. Passage en Conseil des ministres de deux textes, celui qui reconfigure le 18 juin, et aussi le texte concernant les compétences des régions, la montée en puissance de l'intercommunalité. Je vais en parler. L'avenir des départements, m'interroger là-dessus. Pourquoi pas un référendum ? Pourquoi pas ? 58% des Français le demandent, mais pourquoi pas ? Parce que je pense que face à cette question d'intérêt général, on répondrait à une autre question. Laquelle ? On répondrait à une question concernant le président de la République, parce que c'est lui qui poserait la question. C'est-à-dire que ce référendum se transformerait en oui ou non François Hollande, quoi. Peut-être, mais surtout, on verrait l'addition à ce moment-là
vous venez d'en parler, de tous les contraires. Et moi, je compte là-dessus, sur le Parlement, mais, sur son rôle. Je sais, Jean-Jacques Bourdin, c'est pas facile à défendre, oui. C'est tellement... Mais aucun pouvoir n'organise de référendum dans ce pays. Mais pourquoi, sur quelle base, Manuel Valls, pourquoi sur, mais parce que sur ce sujet aussi compliqué, vous auriez l'addition de tous les contraires. Et je pense, il faut le dire à nos compatriotes, allez-y. C'est au président de la République, au gouvernement et au Parlement, et je l'espère de tout cœur, de faire valoir l'intérêt général. Sinon, vous aurez toutes les contradictions, tous les élus. Regardez l'opposition qui s'exprime aujourd'hui. Elle-même a annoncé, par la voix de Jean-François Copé, la suppression des départements. D'autres, comme Jean-Pierre Raffarin, ont souhaité la diminution des régions. Comment on va mener ce débat? Donc il faut le mener de manière sereine. Avec beaucoup de conviction, j'en doute pas, mais de manière sereine, en ayant en tête l'intérêt général du pays, ce débat au Parlement. Moins d'élus? Est-ce qu'il y aura moins d'élus? Il y aura moins d'élus, il y aura moins de conseillers régionaux qu'il y en a aujourd'hui, puisque l'addition de plusieurs régions, trois ou deux, doit conduire dans ces régions à ce qu'il y ait moins de conseillers régionaux. Et dans les départements, 2020 c'est l'objectif, suppression... Enfin, suppression, c'est encore un peu flou. Suppression des conseils généraux ou pas? Oui, c'est la perspective qui est indiquée. Mais bon. Là aussi, de toute façon, pour transférer des compétences... Ben vous allez transférer les compétences des départements à ces grandes régions. Tout ce qui est développement économique, collège, route, aux régions ou à l'intercommunalité. Il faut de toute façon du temps. Il faut au moins 3 ans pour transférer des compétences et aussi les agents. Donc il y aura encore une administration, mais plus de pouvoir, quoi. Et les agents aussi, puisqu'il y a 270 000 agents qui travaillent dans les conseils généraux, qui travaillent bien sur des missions souvent de proximité. Je pense à l'action sociale, au travail vers les personnes âgées, vers les handicapés. Donc ce travail-là, il doit être fait. Il faut penser aussi aux territoires ruraux. La ruralité qui est une réalité, vous la connaissez bien, dans notre pays. Donc il faut aussi Vous allez garder une administration pendant 3 ans. Et ensuite, vous verrez, de toute façon, c'est déjà le cas, des départements qui vont se fondre. Mais l'administration servira à quoi, puisque vous transférez toutes les compétences à ces super-régions? Les conseils généraux vont garder pendant 3 ans un certain nombre de compétences, qu'on appelle le bloc social et la cohésion territoriale, notamment dans les territoires ruraux. Mais les services de secours aussi, sapeurs-pompiers. Et les services de secours, vous avez raison de le rappeler, des SDIS qui jouent un rôle très important. Je n'oublie pas que j'ai été leur ministre de l'Intérieur. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, il faut 3 ans pour se faire et pour administrer ces compétences. Non, à ce stade, ces compétences, bloc social et SDIS, vont rester au niveau du département. D'accord. Vous aurez des départements, c'est déjà le cas, qui vont se fondre dans des métropoles. Une grande partie du département du Rhône va se fondre très vite dans l'agglomération, dans la métropole de Lyon. Ça peut être le cas aussi en Ile-de-France, dans d'autres régions. C'est un mouvement qui est enclenché. Le plus important dans cette histoire, c'était d'enclencher le mouvement. Que rien ne reste figé comme nous le vivons depuis des années. Nous avons des territoires, une décentralisation que la gauche a voulu en 1982, que Jacques Chirac a accompagné au début des années 2000, puisqu'il a intégré l'idée d'une France décentralisée dans la Constitution. Mais nous voyons bien que ça manque de lisibilité, d'efficacité, de proximité, de démocratie. En renforçant les régions et en faisant remonter l'intercommunalité, je crois que dans les années qui viennent, notre pays va gagner en efficacité et en clarté. Parlons d'efficacité et de clarté. L'affaire Médine et Mouche. Les Allemands ont signalé son retour en Europe, aux Français. Est-ce qu'il aurait pu être arrêté plus tôt, Manuel Valls, franchement? Il s'agit de surveiller des centaines et des centaines d'individus français ou européens qui aujourd'hui combattent en Syrie. Nous avons dépassé en France le nombre de 800 Français ou citoyens résidents en France qui sont concernés par la Syrie, soit parce qu'ils y combattent, soit parce qu'ils y sont morts, une trentaine, soit parce qu'ils en sont revenus, soit parce qu'ils veulent y aller. Nous n'avons jamais été confrontés à un tel défi. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, ici même, c'est sans doute la menace la plus importante. Quand j'avais présenté la loi antiterroriste à la fin de l'année 2012, qui avait été votée par une très large majorité au Sénat comme à l'Assemblée, j'avais parlé d'ennemis intérieur. J'avais indiqué que nous faisions face à plusieurs dizaines de mairies potentielles. Donc, c'est difficile. C'était en 2013. Depuis plusieurs mois, nous avons, et Bernard Cazeneuve l'a rappelé, arrêté des individus, démantelé des cellules. Celle qui avait frappé à Sarcelles en septembre 2012, mais qui avait plusieurs individus encore présents. Il y a eu des menaces
sur la France. Un groupe qui, dans le sud-est, menaçait de commettre un attentat, a été arrêté. C'est difficile, ça veut dire qu'il faut suivre. C'est-à-dire qu'il y a des méras autour de nous encore, en France. Mais il y a ce potentiel. Mais bien potentiel. Entendu. Bon. Alors, vous avez cet individu qui a frappé en Belgique. Est-ce que vous allez modifier la loi ? Il paraît que vous allez modifier la loi, c'est vrai ? Oui, à la fin du mois de juin, oui. Ou au début du mois de juillet. Qu'est-ce que vous allez faire ? Bernard Cazeneuve l'a annoncé, va renforcer tous les moyens à la fois de prévention, de suivi des familles, et puis il faut des modifications législatives pour permettre aux juges antiterroristes de gagner en efficacité. Ça avait déjà été le cas en 2012 à travers la loi antiterroriste, puisque maintenant on peut poursuivre un Français ou un citoyen français qui, sans avoir commis un attentat sur notre sol, est engagé dans des organisations terroristes. Est-ce qu'on peut déchoir de la nationalité ? Oui, bien sûr. C'est déjà est-ce possible. Que Nimouche devrait être déchu de sa nationalité ? Nous verrons bien. Nous sommes dans une enquête. Oui. Nous sommes dans un état de droit. Mais sur le principe... Il est binational ou pas ? Il a double nationalité ? Je ne sais pas. Mais dans notre loi fondamentale, nous pouvons déchoir déjà de la nationalité ceux qui s'attaquent aux intérêts fondamentaux de notre pays. Si Nimouche est coupable, doit-il être déchu de sa nationalité ? Attendons. Pose la question quand même. C'est les choses qui peuvent se faire. Je crois qu'il n'y a pas de tabou. Mais honnêtement, ce n'est pas ça qui règle le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des centaines d'individus, souvent jeunes, avec le même parcours, parcours de délinquants, radicalisation en prison ou sur Internet, qui se rendent en Syrie, parfois très jeunes, qui rencontrent des groupes, qui combattent dans des groupes, dans l'horreur, car ce qui se passe en Syrie, c'est l'horreur, et qui reviennent pour commettre des attentats sur leur propre sol, ou en Europe, comme ça a été le cas en Belgique, animés par l'antisémitisme, la haine de nos valeurs. Il y a une montée de l'antisémitisme, selon vous ? Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a une montée de l'antisémitisme, il y a une montée du racisme, du rejet de l'autre, il y a de la violence dans nos sociétés, et nos sociétés démocratiques, au nom des valeurs, qui ne sont pas que des valeurs occidentales, qui sont des valeurs universelles. Qui sont les premières victimes du terrorisme dans le monde ? Ce sont les musulmans eux-mêmes en Irak, en Syrie. Donc, il faut se défendre et avoir plus de moyens. Et croyez-moi, est-ce que la détermination des musulmans français ne s'exprime pas plus fort ? Ils s'expriment, mais il faut que les autorités musulmanes, encore plus fort, les intellectuels, et je leur demande, parce que nos concitoyens musulmans qui pratiquent leur religion, et bientôt nous connaîtrons la période du Ramadan tranquillement, sereinement, qui sont attachés à nos valeurs, ne peuvent pas être confondus avec ces individus, ces terroristes, ces meurtriers qui dévoient l'islam. Non. Que tout le monde le dise avec force et évitons les uns et les autres de faire des amalgames. Réforme pénale, début de l'examen du projet de loi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors pour combattre la récidive, la principale mesure, c'est cette nouvelle peine. C'est une peine de probation, elle s'ajoute aux autres peines possibles, jugée plus efficace que la prison. Certains députés socialistes et Christiane Taubira estiment que cette peine devrait être applicable aux condamnés à 10 ans de prison, jusqu'à 10 ans de prison, vous arrêtez à 5 ans. 5 ans, c'est l'arbitrage qui avait été... cet arbitrage. Bien évidemment, ça n'est pas la seule mesure. Non, aujourd'hui, c'est nous la n'avons mesure jamais principale, eu autant de monde dans nos prisons. Et nous devons lutter contre ce phénomène qui ébranle les fondements de la République, qui touche profondément nos concitoyens, qui ne peuvent pas le comprendre, qui est la récidive. Or, toutes les lois qui ont été votées sur ce sujet-là n'ont pas fonctionné. Donc, plutôt que s'écharper... Plutôt que d'avoir à l'Assemblée nationale un combat stérile entre la droite et la gauche, entre les soi-disant sécuritaires et les soi-disant laxistes, travaillons pour que la justice soit la plus efficace possible, avec des moyens supplémentaires. Nous construirons par ailleurs 6500 places de prison supplémentaires. Et il faut donner les moyens aux agents de probation, à ceux qui doivent suivre chaque délinquant pour préparer la sortie de prison. Mais nous avons prévu et nous avons préservé les postes au ministère de la Justice, comme à l'intérieur, pour la police et la gendarmerie, pour travailler plus efficacement sur le parcours de ces individus. Il ne s'agit pas de ceux qui ont été condamnés au pénal. Oui. Je veux le rappeler, il s'agit d'un certain nombre de peines pour gagner en efficacité. Moins de 5 ans, c'est un des éléments de l'équilibre moins de 5 du texte. Ans, parce que Christiane Taubira était sur 10 ans, elle. Il y a eu un arbitrage qui a été rendu. C'est le président de la République au qui mois l'a d'août dernier, alors. Et c'est je tiens à ce qu'on respecte cet arbitrage. Parce que l'équilibre dans ce domaine-là. Vous dites à votre garde des Sceaux, on respecte cet arbitrage. Mais elle le sait. Portera, je n'en doute pas un seul instant. Mais moi, j'appelle sur ce type de débat, là aussi, à la sérénité. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays ? Et je pense à vos auditeurs, à ceux qui nous regardent maintenant, c'est que ça ne fonctionne pas.
c'est que aujourd'hui, en prison même, nous venons de parler de la radicalisation en prison. La prison elle-même ne permet pas toujours le bon accomplissement de la peine et ne prépare pas la sortie. Et donc, il faut gagner en efficacité. Et moi, je suis sûr qu'à droite comme à gauche, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à faire un bout de chemin ensemble pour traiter ces questions au fond et pas pour provoquer des débats qui ne servent à rien. Vous êtes populaire encore. Je dis vous encore, avez raison de Manuel, dire encore. Mais oui, je dis encore. Bien sûr. Vous êtes populaire encore et certains disent déjà, deux mois, ça fait deux mois qu'il est Premier ministre, rien de nouveau. Rien de nouveau avec Manuel Valls. Rien n'a changé avec Manuel Valls. Depuis que j'ai été nommé par le président de la République, après les élections municipales, pour incarner deuxième phase de son quinquennat, et après avoir reçu la confiance de l'Assemblée, nous avons engagé le plan de solidarité pour renforcer nos entreprises, ce plan de compétitivité, ce plan de solidarité, pour renforcer nos entreprises. Mais c'était déjà engagé avant vous. Oui, mais là, il rentre dans les faits. Oui. Concrètement, nous allons présenter en Conseil des ministres la semaine prochaine et voter à l'Assemblée nationale et au Sénat dans les prochaines semaines les textes financiers et sociaux qui permettent la mise en œuvre de ce plan pour soutenir la compétitivité de nos entreprises, baisser le coût du travail, créer de l'emploi, tout en protégeant les plus modestes et les plus faibles de notre société. Les 4 milliards supplémentaires que vous cherchez Par des économies. Mais et c'est ce que Michel Sapin va présenter. Dans tous les budgets. Ce travail a déjà été fait et il va être présenté la semaine prochaine. Alors précisément, quels sont les budgets qui sont préservés? Vous les connaissez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. L'éducation nationale, aussi concernant les postes créés. On ne touche pas. La police et la justice, je viens de le dire, puisque nous continuons de créer des postes supplémentaires de policiers, de gendarmes, mais aussi pour accompagner la réforme de la loi pénale. Voilà les ministères qui la sont préservés. La défense aussi, non? Et la défense, j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler. Bon. Et le président de la République, il y a d'autres ministères qui l'a rappelé, donc la loi ce sont de les autres militaire, ministères qui vont payer. Non seulement l'État il doit faire des économies, mais pour gagner, encore une fois, culture, en efficacité. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Mais j'ai déjà l'occasion de le dire, les 18 milliards sur les 3 ans qui viennent pour ce qui concerne l'État, 11 milliards... Le logement... Le milliards. Le logement contribuera aussi à cet effort. 11 milliards pour les collectivités territoriales, et c'est vrai aussi pour l'assurance maladie et la santé. J'ai déjà eu l'occasion d'annoncer un certain nombre de mesures. Pistes. Là aussi, il faut dire la vérité aux Français. Si nous, quel est le projet du président de la République et que je porte au nom du gouvernement? C'est de renforcer le pays, c'est de le préparer à l'avenir. C'est le sens de la réforme territoriale. C'est le sens du soutien aux entreprises et notamment aux PME, aux PMI, aux commerçants, aux artisans. C'est le sens d'une réforme nécessaire de la formation et de la priorité à l'apprentissage. Nous devons préparer le pays à l'avenir. Sinon, nous allons décrocher par rapport à d'autres pays, par rapport le à de grandes nations qui aujourd'hui ont la croissance. La politique, quelles que soient les remarques de Bruxelles, quelles que soient les remarques de certains députés de votre majorité, vous maintenez le même cap. Mais je maintiens le même cap parce qu'il est bon pour la France. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas, que nous n'écoutons pas les Français d'abord. Parce que ça va gronder à l'Assemblée dans quelques jours. Mais c'est normal que nous écoutions aussi le Parlement. La Ve République... Vous avez vu ce que veulent certains députés socialistes. Je ne vais pas entrer dans le détail. Mais moi, je sais ce que veut une grande majorité de ce député socialiste. Ils veulent réussir. Ils veulent que la France soit plus performante. Vous aurez une majorité. Il ne peut pas en être autrement. Il y aura une majorité, j'en suis convaincu. Mais il y aura du dialogue. La Ve République à laquelle je suis attaché n'est pas incompatible avec le rôle du Parlement. Et dans les réformes que nous avons faites, qui vont compter pour les années qui viennent, il n'y a pas seulement celles concernant les territoires, mais il y a aussi le non-cumul des mandats et qui donne au fond plus de pouvoir, un rôle plus important aux députés et aux sénateurs. Qu'ils le prennent, qu'ils dialoguent, mais avec l'esprit de responsabilité qui doit nous animer. Dans la situation difficile que traverse notre pays, le gouvernement, comme la majorité, et je l'espère aussi l'opposition, doivent faire preuve de responsabilité. Parce que j'ai remarqué une petite phrase de François Hollande, si les députés continuent, ils ne devront pas s'étonner que leur mandat soit raccourci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi une menace de dissolution? Non. Est-ce qu'il n'y aura pas de dissolution avant la fin du quinquennat, Manuel Valls? Si la majorité est cohérente, soutient le gouvernement. Si la majorité est cohérente. Mais c'est la condition, je vous lis pratiquement la Constitution. Donc, moi, je n'ai aucune raison de douter. Vous dites à la majorité, si vous êtes cohérent, pas de dissolution. Mais si vous ne l'êtes pas, vous brandissez la menace de la dissolution ou pas? C'est pas une question de menace. Non.
C'est une question de responsabilité. Mais c'est une possibilité ou pas? Mais on ne va pas rajouter du désordre à la situation que nous connaissons. Il n'y a aucune raison de mettre en doute l'engagement de la majorité. Oui, mais cette phrase m'a surpris. Je ne la connais pas, cette phrase. Et en tout état de cause, il y a cette cohérence, cette François nécessité Hollande de réussir. François Hollande ne pense pas à une possible dissolution. Et François Hollande a été élu par les Français en 2012. Bon. Grâce à cette élection, une majorité a été élue par les Français pour mettre en œuvre une politique. Cette politique, il faut la corriger, l'adapter, l'approfondir. Il faut aller vite. Le pays a besoin de réformes à condition qu'on explique aux Français quel est le sens de cette réforme. Et le sens de cette réforme, c'est de redresser le pays. C'est de rendre plus efficace notre économie, plus compétitive nos entreprises. Et c'est surtout, évidemment, l'emploi. Il a été élu. Notre pays s'est habitué depuis des années à un tel niveau de chômage de masse qu'il en crève. Et donc, il faut sortir de cette situation. Pour l'instant, vous ne sortez rien du tout. Je sais que c'est difficile. Mais en même temps, nous avons des atouts, des entreprises, des PME, des PMI. Aucun retournement. Je n'ai pas vu le moindre retournement pour l'instant. Mais moi, je suis convaincu que la politique que nous sommes en train de mettre en œuvre donnera des résultats. Mais il faut du temps, il faut des efforts collectifs et partagés, et il faut expliquer aux Français où nous allons, et il faut accepter les réformes. Regardez, on parle depuis quelques heures de la réforme des territoires que chacun demande, et c'est déjà la levée de bouclier. Alors, deux choses. Il faut poursuivre ce travail. Deux choses. Politique. Vous dites, François Hollande est élu, effectivement, depuis 2012. Il est à, s'il y avait une élection présidentielle, il serait à 3% et vous à 26%. Évidemment. Et alors? Ben, je ne sais pas. Et alors? Ça vous fait plaisir, ça? Ça vous fait plaisir ou pas? Moi, je suis... Sincèrement, est-ce que ça vous fait plaisir? Moi, je suis fatigué. De quoi? Dites-moi. Un peu écœuré. Allez-y. Des critiques, des petits mots, des petites phrases à l'égard du président de la République. Il est le chef de l'État. Il est le président de la République. Il prend des décisions courageuses quand il s'agit d'engager nos forces au Mali, en Centrafrique. Il prend des positions courageuses sur la Syrie ou sur l'Ukraine. Il veut une réorientation de l'Europe. Il prend des décisions essentielles pour notre pays. Lorsqu'on pose la question, peut-il tenir trois ans, ça vous insupporte. Pacte de responsabilité et de solidarité. Réforme des territoires. Et il y a cette mise en cause permanente du chef de l'État. Va-t-il rester? Va-t-il pouvoir gouverner? Mais évidemment qu'il va tenir. Évidemment qu'il va tenir ce quinquennat. Et moi, à ses côtés, comme le gouvernement, je suis là non seulement pour faire réussir la France, mais pour permettre la réussite de ce quinquennat. Et vous croyez que je vais perdre mon temps à commenter des sondages et à être dans une soi-disant rivalité avec le président de la République? Non. Il m'a nommé. Ma relation avec lui, c'est la confiance et c'est la loyauté. Il n'y a pas d'autre chemin. Je ne vais pas rajouter, moi, du désordre, là aussi, au désordre et aux difficultés que nous pouvons connaître. Dernière question. Une pétition a été lancée concernant Snowden. Est-ce que la France va accorder l'asile politique à Edward Snowden? Ce n'est pas comme réfugié politique. Je ne vois pas pourquoi nous le ferions. Oui. Vous n'êtes pas favorable. Je n'y suis pas favorable. Mais si la question se pose, elle sera bien sûr examinée. Merci Manuel Valls d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h58.